Yeah. That's everybody in this song. What's that? Let's support Africa, let's support Africa, because I believe that it's one way we can actually be together, it's one way we can spread love. Thanks. Bonjour mesdames et messieurs, je suis Samanda, humoriste tchadien. Et là aujourd'hui je suis avec deux humoristes venus du Gabon et de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus spécialement au Tchad pour se préparer pour aller à Fort Boyard. Et là vous allez voir ce que ça va se passer. Non, en fait, il faut savoir que c'est compliqué. Nous au Gabon, on sait que les cricketers, on trouve ça sur la pelouse. Mais ici, on mange les criquets et on est en train de préparer Fort Boyard. Là-bas à Fort Boyard, ils ont peur de manger les criquets. Moi avec mon frère, mon jumeau, on va manger les criquets là. Jumeau. C'est en comment? Jumeau, c'est pas votre Fort Boyard. C'est pas tu criquet qui est là. Jerry, voilà ça qui est là. On est en train de préparer là. On s'en va à Fort Boyard. Criquet on dit. Vous n'êtes pas mangé, vous ne mangez pas là. Vous, qui là? C'est quand nous sommes venus à Tchad. Il y a bien quelque chose qui peut nous créer maintenant là. Si c'est soleil, on a tapé ça. Si c'est maintenant manger, cliquer là, mais voilà ce qui là. Et puis quand nous voyons le vieux poids, tout ce que nous voyons, on va manger ça. On mange tout. On va manger tout. C'est pas la Bible, il veut parler ça. Et puis les deux petits poulous là. Oh, c'est les petits enfants là. Là. Si elle nous voit, notre fille, on va les manger. Bon. Voilà, on a mangé le chameau, le varan. On a mangé ça. Voilà quelqu'un. Quelqu'un dit vous ne pouvez pas manger là. Vous dites vous ne pouvez pas manger là. Voilà ça. Oui. Toi tu es encore père. Mangez. Coupez la vidéo, coupez pas. Comment vous allez? Moi c'est Maria Mobile, je serai à Côte d'Ivoire le 2 novembre, le 1er et le 2 novembre. Je serai là, mais vous connaissez déjà que le show, ça serait tellement like chaos, je ne sais pas comment dire en français, like that show will be fire. So ma présence serait là. Venez voir votre jolie Amina, Nadine, votre jolie Amina. So, hey guys, come! Bravo! Voilà, bon, parlez, je reste sur la famille. Où est que tout paraît réuni, hein? Rebelle. Le truc, c'est beaucoup de trouble derrière. Ah, merci. Rebelle. Voilà. Jesco est là. Arnaud Jaguar est là, chef de la Pajou est là, Bakimoun est là, Alfonso Lambert et les oiseaux. Voilà. Bon. Merci. Merci. Alors, c'est fini. À mon âge. Donc, on t'a là. Bon.
Vous voyez que c'est un élément. Voilà, vous avez les yeux des bambouillés. Mais comme les vieux morts en coumant, pour d'un banc qui nous est des sages et respectueux, c'est comme je respecte les vieux morts. Merci là-bas. C'est ça le nouveau état d'esprit des Chinois. Voilà, on doit montrer que le Dachka est une famille. Vous savez que moi, je gagne mes éléments d'esprit, mon popo, et ainsi ainsi. Donc désormais, la famille est venue à Paris. On va développer leur système. Donc, 10 dollars, oui, à relever. Au cas 10 dollars, même après 10 dollars, il y a des nouveaux chansons qui vont venir. Ouais. Allez, que Paris, Abidjan, Amis, ça c'est un pied. Tranquille. Tous les Chinois vont parler la même langue. La même langue. On a deux combats. C'est Momo qui est là. Allô Jaguar, on a beaucoup de combats à faire. On doit voter encore à filma.org. Ça, ça fait les mails, on vote. Vous avez vu? Et c'est mon fils, le premier ministre. Bata. Où est-ce que vous êtes au courant? Où est-ce? Donc, c'est ensemble, on va prendre 10 dollars, on va mettre pour les oiseaux. Où est-ce un peu? Voilà, donc, laissez les morts qui parlent d'une manière là. C'est le même combat. À nos Java, c'est le Mananja. La famille est réunie. Donc, si c'est le Nyanoba de Paris. 3. Ciao, ciao. Viens parler, viens parler. Attends, le boss va parler. Bon. Vous savez que la rébellion et la Chine, c'est une famille désormais. Pour attaquer les maudits, mais on vient à la fin. Je suis un rebelle. Aujourd'hui, pour le combat de Didier Arafat, je me rallie avec la Chine parce qu'on doit parler la même langue. Didier Arafat mérite plus qu'un 10 dollars. Donc, si on peut lui donner ce 10 dollars, tous les artistes qui peuvent soutenir ce mouvement doivent le faire. Aujourd'hui, la famille de Paris est réunie pour que Arnaud Jaguar est venu pour nous dire que discours entre nous. Discours entre les gens qui aiment Arafat là, ça paye pas. C'est clair. Tous ceux qui disent qu'ils ont vraiment aimé Didier Arafat, on doit être ensemble pour un seul combat. Le disque d'or et la suite va venir. Eux là, ils vont nous dire la suite. Il y aura des hommages, il y aura plein de choses. Mais 10 dollars, CD là, on va vous apprendre à payer ça. C'est en clair. Prix. Parce que si Didier Arafat a eu ça, nous tous on aura ça. En tant qu'artiste là, beaucoup de choses vont débloquer. Donc on vous invite à soutenir ce mouvement là. Aujourd'hui, Arnaud Jaguar est rentré à la maison. Il est rentré. Landry Agban. Ton message est passé, ton petit frère a répondu, ok. Allez le code Big Up. Allez le code Big Up, toute la famille. Donc, chef d'État. C'est le chef d'État. Le chef d'État major. Tranquille. Choisi par les Lala, hein. Lala. On a deux combats à faire. Hein? Deux combats de 10 d'or. Et puis il faudrait que toutes les artistes passent sur Trace TV en Afrique. Parce que les chaînes qui parlent s'installer en Côte d'Ivoire, ils vont tuer les gens qui doivent passer. Donc Moula, vieux père Moula, tiens, vieux père, tiens, grand frère, tout ça. Voilà. Donc tout le monde, sciencé, oui, on met. Tant que Trace Africa est chez nous, tout le monde va passer. On finit d'avoir 10 dollars. Voilà, on finit à 10 dollars. On finit à 10 dollars. On a besoin. Je suis sur ma vie. On a un combat de 10 dollars. Pourquoi aller là-bas? Il n'a pas fait ça. Didier Arafat doit avoir ça pour son anniversaire. Si tu dis que tu es vraiment chinois, commence à payer tes cartes bancaires. C'est 10 000. Voilà ça. Non, je ne connais pas ici. Mais ici là, nickel. Tu vois, vous payez les sons de Didier Arafat en ligne. Ça, c'est pas triste. Donc ça, ça passe pas. Maintenant, ceux qui sont en France, qui veulent aller dans les magasins, la FNAC, tu vas là-bas. Voilà, carte bancaire, ouvre un peu. Tous les Chinois ont carte bancaire. Si tu es chinois, si tu es rebelle, que tu n'as pas carte bancaire, c'est que tu n'es pas encore bien émancipé. C'est que tu n'es pas encore bien. Moi, je vais pas. Il a mangé un faux manager, il a mangé un faux manager. Ça c'est 4 personnels, personne n'a en France ici, à part le premier ministre que je suis. Voilà. Personne n'a en France, il n'y a pas moyen, Macron. Ceux qui sont à Abidjan, je vous dis, ça là, ça coûte 10 000. Tu donnes tes papiers, on te donne cette carte là. C'est 10 000, tu n'as pas besoin d'être quelqu'un. Tu viens avec ta pièce d'identité chez UBA, on te donne une carte. Carte là, si tu veux, tu mets 100 000, 20 000, tu peux aller retirer comme les blancs. Tu peux aller sur internet, payer la musique de Didier Arafat pour qu'il ait. Et puis c'est chaud. Tu peux pas être un garçon, tu bois champagne en boîte de nuit, tu es dans la voiture, et puis tu n'as pas 4 000. C'est trop bien. La gym populaire, tout ce que je peux vous dire là. Pendant que le chef d'État a deux, toi tu n'as rien. Tu dis ça normal. Et puis tu dis tu aimes Arafat, toi tu t'en.
tu télécharges soit sur les mains. On a dit on ne veut plus les Chinois qui nous sont venus. Ça monte, hein. Vas-y, 4. Coupez le CD. Et 3, 4. 10 dollars, on va avoir ça en prix. On va avoir ça en prix. Voilà. Faut pas y voir. Et puis le premier artiste qui aura 10 dollars en Côte d'Ivoire dans Coupé le Canada, ça sera DJ Arafat. La Chine populaire. Bien. Vous savez qu'il y a une date qu'ils ont calée à Abidjan. Ouais. Le 26 décembre à Abidjan. Ouais. Il y a 26 décembre à Paris aussi. Ouais. Donc, allez montrer que viens moi même dans sa mort, nous on met chez toi. Organisez bien ces maisons. Ouais. Donnez ça à l'écoute. En fait, ne pensez pas que parce qu'on avait un jaguar, que Ali n'est pas là, que Nani n'est pas là. C'est la même famille. Je remarque qu'ils sont en déplacement. Voilà. Mais la semaine prochaine, Ali écoute avec nous à Paris, on se revoit encore. Ouais. Et puis on va gérer. Sachez que la famille est solidaire. On est une famille maintenant. Il n'y a plus de palabres. Tous les gens sont unis. C'est fini. On n'a pas l'âme contre les autres. Mais voilà, on s'en classe maintenant contre les ceux qui ont vraiment aimé DJ Arafat, là, il n'y a plus palabre. Donc, si tu dis que tu as vraiment aimé DJ Arafat, tu ne peux plus faire palabre avec quelqu'un d'autre qui a aimé DJ Arafat. Tu aimes Arafat. Tu aimes toujours Arafat. Tu écoutes ses sons. Actuellement, ce qu'on vous dit là, écoutez, c'est nous là. C'est ceux-là qui vont vivre chaque jour. Ils sont fans. Donc, ne quittez pas là pour aller écouter d'autres personnes. Quand on parle de Yorogang, c'est sûr. Quand on parle des Chinois, c'est sûr. Donc, actuellement, on est unis pour eux. Tous les fans de Didier Arafat. Toutes les fans de Didier Arafat doivent écouter ce message. Tiens, Arafat n'a pas de CD. On dit d'aller acheter CD. De 13 euros, tu vas au magasin. Téléphone, passons, tout ça qui va Tiens, Arafat. Non, ça c'était avant. Maintenant, un vrai fan de Didier Arafat. Qu'est-ce que là? Les Chinois aujourd'hui, les Chinois demain. Après, les légendaires. Il est. Il est rebelle. Bon, mais il est chinois d'abord. Toute la Côte d'Ivoire a vu que quelque part tous les Ivoiriens sont chinois. Yeah. En réalité, moi ici rebelle, moi ici la rébellion. Mais vous-même avez vu, quand Didier Arafat nous a quitté par son âme, que toute la Côte d'Ivoire est chinois en réalité. Il n'y a pas fan qui a dit que Didier là, il n'a pas aimé. Quel que soit le discours qu'on a pu avoir. Donc aujourd'hui, son cadeau qu'on peut lui faire, 10 dollars ou rien. C'est rien. Et on va le faire, c'est pas impossible, on va le faire. En termes de montagne, la Chine. Bon, de réconciliation, voilà. Il faut prôner la réconciliation partout. Voilà, l'union fait la force. Donc aujourd'hui, nous sommes venus parler à nos petits frères. Ils nous ont compris, ils nous ont respectés. C'est l'idéal. Et je pense que l'organisation que le manager Jaguar avec les autres sont en train de mettre en place, ils vont vous fournir un parterre de revendications où la première revendication sera le disque d'or de l'artiste Arafat. Nous allons tous nous unir pour combattre parce que c'est la Côte d'Ivoire qui gagne en fait. Voilà. Donc il y a des absences, c'est vrai, mais tout le monde est ensemble. Voilà. On a parlé au camarade Jaguar, il va vous faire le point quand il rentrera à Abidjan. Mais il a une série de rendez-vous avec les têtes pour qu'on puisse aller au plus profond pour tirer ce disque d'or. Donc je tiens à remercier tous nos petits frères qui nous ont respectés et que la Côte d'Ivoire gagne. Je vous remercie. Merci. Ok. Salut tout le monde. Levez-moi Manu. Voilà, Manu depuis Paris. Donc c'est ce que je vous disais. Il est important ce qui se passe ce soir. C'est vraiment important. Je remercie à nous, Jaguar. Je remercie tous ceux qui sont en train de collaborer pour grandir notre artiste, le défunt Didier Arafat. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous remercie sincèrement. Dieu seul sait de là où il est, notre artiste.
ce qu'il ressent pour vous. Merci, il lui faut ce disque d'or. Il faut impérativement ce disque d'or. On croise les doigts, il le faut. Pour sa mémoire, pour ses enfants, pour son honneur, pour notre patrie. On compte sur vous, on compte énormément sur vous. Que le bon Dieu vous bénisse. Mano depuis Paris, à nous avoir. Voilà, merci à toute la famille. Merci à tous les Chinois pour ce travail abattu. Aujourd'hui, notre artiste fut primé encore. C'est grâce à vous. Et je pense qu'on va travailler, on va œuvrer aussi pour que cet artiste-là, l'icône de la musique ivoirienne, le Daï Chican, ait son disque d'or. Qu'il soit le premier artiste ivoirien à remporter le disque d'or au pays. C'est ce que j'avais à vous dire. Comme je vous avais dit, depuis Abidjan, je venais ici pour une mission. Et j'ai commencé, ça n'a pas été facile. Parce que j'avais des querelles, il y avait des discordes. Mais il était important pour nous, nous-mêmes d'abord, étant les dévanciers, de pouvoir être unis d'abord. Donc moi j'ai commencé ce matin, j'ai réintégré la Yorogang et je le confirme, c'est avec bon cœur. Et j'ai voulu également et absolument que mes jeunes frères aussi soient unis. Parce que lorsqu'on est unis, nous sommes forts. On compte sur vous, soyez branchés parce qu'il y a de grandes choses à l'horizon. Donc sur ce, tous les Chinois, Chinoises de Paris, dès demain, on vous communiquera une date où il va y avoir le congrès. Le congrès, c'est-à-dire une plateforme d'échange où chacun pourra dire ce qu'il a à dire ou des objectifs vraiment bien visés pour l'obtention du disque d'or. On doit travailler ensemble, on doit être unis pour un même objectif. En ensemble, c'était à nos avoirs. Portez-vous bien. Avec Dieu, on fera des exploits. Ciao, ciao. La Chine populaire, j'espère que vous avez compris. Il n'y a jamais trahison. L'objectif, c'est le disque d'or. Disque d'or ou rien. Donc, que tu sois artiste, que tu sois manager, que tu sois DJ, que tu sois promoteur, on a un seul but. La Côte d'Ivoire aujourd'hui veut le disque d'or. Et ça va commencer par Didier Arafat. Et nous tous va bénéficier de nous. Okay. Voilà. Si. Le dernier mot que j'avais à passer, c'est que à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas ancien chinois, il n'y a pas nouveau chinois. À partir du moment où tu considères, où tu te sens capable de pouvoir donner un coup de main au Daïsi pour qu'il ait son dicton, c'est que tu es chinois. Alors identifie-toi, être en carte de membre, carte de chinois. Si tu n'as pas de carte de chinois, c'est que tu n'es pas chinois. On t'a pas dit de maintenant, là. On va laisser des infiltrés venir n'importe comment dire ce qu'ils ont à dire. Voilà. Il y a des gars qui arrivent, ils disent des gens, ils insultent les gens, qui non, pourquoi Tesco, pourquoi tant. Bon, toi-même là. Tu es qui pour parler ça? Il faut montrer que tu es chinois. Chinois. Si tu es chinois, tu n'as pas ta carte d'aide. Ou soit tu viens, tu poisses. Voilà. Donc c'est les... Toi, vous qui parlez, vous dites, vous faites ça. Est-ce que c'est pas si Dieu vous met? Ça donne le cœur pour faire cette vidéo pour vous montrer qu'il n'y a rien. Ici, on a vraiment aimé Didier. On doit tous s'aimer entre nous. Ouais. Voilà, dans le respect. Aimons-nous vivants, mais dans le respect. Dans le respect sur toi. Donc, regarde. Tesco, c'est une personne à soutenir. Et nous tous, on est des personnes à soutenir. Parce que déjà, il n'est pas chinois. C'est un artiste. Normalement, il doit se battre pour lui-même. Comment vous pouvez concevoir moi-même Tesco, il est parlable de Didier. Et puis d'autres personnes que Didier a tout fait pour eux. On leur demande simplement de partager, affiche, disent donc. On leur demande des petites choses, ils ne sont pas prêts. Mais vous, avec vous, Inch'Allah. On ensemble. Merci la famille, c'est à nous avoir. Donc dorénavant, les Chinois de Paris sont unis. Donc il faut qu'on fasse pareillement pour la vie. En ensemble, c'est à nous avoir. Ciao, ciao. La Chine, restez solidaire. Les familles de Abidjan, laissez les moments de querelle entre les familles, ça s'est passé. Il n'y a pas qu'on peut s'en des familles. On est là pour dire à la femme et c'est le plus important. Au calme. On se prend ensemble pour avancer, pour pouvoir prendre ses yeux. En fait, l'idée du leadership, ça sert à rien du tout. Parce qu'on n'a rien à pouvoir avec quelqu'un, c'est pour le Daï Chican. Et c'est le manager de Didier Arafat, donc on les pognait. Il n'y a pas de bruit, hein. Il n'y a jamais de bruit, c'était des incompréhensions. Mais comme une famille, les pays du discours arrivent, on s'est réglé. La semaine prochaine, Ali arrive, elle peut venir en causer, elle met des vrais moments en place. C'est ça. En mode orageux. Que Daï Chican a dit, je ne l'ai pas dans la bouche. Ils vont nous sentir. Il a 2500 au placard. On va danser. Donc c'était le premier, le premier ministre. C'est maudit. Au calme les gars. Donc c'était à nous avoir. Portez-vous bien. Et puis bon, voilà, affaire à suivre. Merci.